Bonsoir, Monsieur Petit-Jean. C'est Catherine. Je voulais te dire un gros merci pour le message que tu m'as envoyé par l'intermédiaire de Geneviève l'autre jour. Jocelyn, Catherine, elle a eu notre vidéo. Jocelyn Charles. J'espère que ta famille et toi allez bien malgré tout ce qui se passe en ce moment. Prenez bien soin de vous. Catherine. Prends soin de toi aussi, Catherine. Catherine Saint-Onge qui a été chantée au Japon en tant que Himeka. Je t'aime, ma belle. Alors, je vais répondre à Catherine. J'ai commencé à vous appeler un par un, prendre des nouvelles. J'espère que tout va bien de votre côté. En ce moment, je vous aime énormément. Vous êtes en train de garder la librairie à flot. Les commandes continuent. Johnny, il s'en rend comme un livreur de pizza. À chaque soir, je pars, puis je vais faire de la livraison. Je laisse ça sur votre perron. Merci beaucoup. Tu es à l'extérieur, on fait de la livraison postale, évidemment, ou tu peux venir ramasser devant la librairie en payant à distance, évidemment. Alors, tu veux jaser, tu veux plus de nouvelles à mon sujet, appelle, on se parle cette semaine. Alors, la situation en ce moment. Du côté américain, le distributeur Diamond a fermé ses opérations, a tout arrêté en ce moment. Fait qu'il y a plus de, il y a pas de nouvelles livraisons cette semaine, et ce, jusqu'à nouvel ordre. À date, j'ai reçu un message de DC Comics sans passer par le distributeur qui veulent poursuivre la sortie de nouveautés pendant ce temps de crise, pendant que tout pète aux États-Unis, pendant que ça empire ici. On va voir, ils n'ont pas donné de détails, on ne sait rien, ils veulent continuer de produire des nouvelles BD par d'autres canaux. C'est à suivre parce que j'en sais pas plus que ça. Du côté de Diamond, ben, ils ont le support de tous les autres éditeurs de Marvel, Image et tout ça. Il y a des programmes pour aider nous, les boutiques de BD. Encore, c'est tout à suivre. Je vous donne plus de nouvelles à mesure que j'en ai. Puis même, tu peux savoir plus à l'instant sur Instagram. Je fais des petites news quand j'en ai. Ce que je viens de raconter, je l'ai déjà fait là-dessus. Côté francophone, côté québécois, plusieurs distributeurs ont recommencé des opérations pour qu'on puisse fournir les commandes en ligne quand on n'a pas les parutions ici, quand on n'a pas la bande dessinée que tu veux ici, on peut encore la commander. Sauf exception, certains distributeurs n'ont pas ouvert les portes. Alors j'attends une commande ADP pour toi qui as commandé. C'est sûr que ça va être plus long que normal à cause qu'ils ont des effectifs réduits. Je te donne les nouvelles dès que je reçois ta commande. Tu as déjà pris ta réserve américaine. Tu sais pas quoi faire pour aider la librairie ou toi, quoi commander pour lire. Qu'à cela ne tienne. Mon fils Hugo est en train de lire Dans la tête de Sherlock Holmes. Premier de deux tomes, le deuxième est à paraître. Tu vois vraiment ce qui se passe dans sa tête. Puis malade, Benoît Dahan, le dessinateur, la photo de Hugo sur Instagram et a commenté. On vit tout ça ensemble. Je sais pas, la planète est rendue tellement petite. Tu veux lire de l'américain, mais du style américain, mais là, il n'y a pas de nouvelle parution, puis tu sais pas trop. Deux tomes de mon ami Pat Boutin gagnés. C'est quelque chose qui se rapproche beaucoup des X-Men. Super dessin. Va voir, j'ai fait plein de vidéos, j'ai été dans son studio de travail. C'est bon, deux albums, t'as une histoire complète, tu vas triper. Moi, j'en prendrai d'autres après ça. J'espère qu'il va y avoir d'autres projets qui vont suivre celui-là. Cédric, si t'as tout lu, c'est le temps, 2 et 3. Puis si t'as encore trop de temps après ça, tu veux faire d'autres choses que lire, hey, j'ai quelque chose pour toi peut-être. Je te propose le Commis des comics en France. Ils sont dedans aussi. Il est intéressant, il est drôle. Lien. Le lien est là. T'as trop de temps encore! Va voir la recette des petits chefs. J'allais faire une tourtière du lac Saint-Jean avec eux autres. Oui, c'est dans le temps des fêtes. Whatever. Ça te tente-tu? La recette est là. On parle beaucoup de la contribution des chauffeurs de camions ces temps-ci pour qu'ils puissent amener les éléments essentiels à notre survie. Va voir mon trip avec François, chauffeur de camion. Lien en haut. Et initiative de BookTube Québec, toutes les chaînes québécoises qui parlent de livres, oui, pas juste de BD,
de livres en général, mais il parle de BD là-dedans aussi, ont maintenant une page Facebook, un groupe Facebook. Fait que ça va t'aider à les retrouver. On n'a pas tant que ça au Québec. Va voir ça, puis fais des belles découvertes. Si tu penses faire un ramassage ici, maximise tes déplacements. On a un point de dépôt de légumes juste à côté, dans l'ancien local. Tu vois, en ce moment, les infos sont là. Sinon, contacte-moi, je vais te donner ça. Le numéro de téléphone est là. T'appelles, tu as plusieurs choix de panier. Puis quand tu viens chercher tes BD prépayés, tu ramasses tes fruits et légumes. Pourquoi pas? Tout est arrêté, mais on a reçu le dernier preview américain juste avant, dans la dernière semaine. Michel veut faire une vidéo, il n'a plus accès à la librairie, fait qu'il ne sera pas dans ce décor-ci. Il est supposé filmer de chez eux, il m'a dit qu'il le ferait. Hein, Michel? On attend après toi, Michel. Yannick, qui faisait aussi, qui parlait de sa passion, qui est pogné à faire du télétravail chez eux, il avait arrêté de faire des vidéos, même si vous le demandiez puis vous aimiez ça. J'ai dit qu'il nous en fasse un petit spécial en ce moment. Là, on a le goût là, de triper. Puis moi, il me reste, je t'adapte dans tout. Je parlais de Pat Boutin. Il me reste encore le dernier lancement avec Pat Boutin qu'on a eu ici. Je monte ça dès que j'ai un peu plus d'énergie. Puis parce que je suis en retard, mais c'est le dernier. Je suis rattrapé. Mais en attendant, tu as plein de vidéos de Pat Boutin à regarder. Check ça. Et tu répétais, Pat Boutin. Hey, il y a même Radio-Canada, la première chaîne qui a recommencé à faire du radio théâtre. Moi qui n'ai pas pantoute nostalgique. Cool. Tu veux d'autres idées pour une commande? Je prolonge le 50% sur toutes les back issues en magasin tant que la crise va durer. Non, tu peux pas venir checker, mais tu peux m'appeler puis on peut shopper ensemble. Je t'envoie des photos, je te dis qu'est-ce qu'on a. Moitié prix. Hein, Joël en a profité lundi. Fait que encore merci de soutenir la boîte ABD. Je vous aime tous beaucoup. Bon courage. Si tu ne sais pas quoi commander et tu veux vraiment donner un coup de main, on a des belles lampes. Boîte ABD, la lampe Johnny Comics, 20$. Dédicacé par Pat Boutin, t'es partout à travers le Québec, on va t'acheper.